là, c'est la bordure adressée. On ne fait pas dans ce sens-là, mais bien dans ce sens-là. Et on soulève bien cette bordure-là qui retombera d'elle-même avec la gravité. Pas d'inquiétude. C'est comme ça qu'on se sert d'un dresse-bordure et non pas comme ceci. Parce que là, vous allez aplatir la bordure adressée et du coup, vous allez avoir des vagues. Ce qui n'est pas terrible du tout. Le dresse-bordure de Piper pour les amoureux des massifs.